Qu'est-ce que ça sent bon dans notre maison? Si docteur vous serez entré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir vous payez. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leurs douzaines d'enfants. Au moment où on est couché, cinq familles pour danser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violonneux. Ah, ce que c'est gai dans nos veillées, c'est ça sent bon dans notre maison. Pour ceux qui prennent un petit coup, à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense, ce qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, de vent mauvais. À table, il y eut des chaises vides, aux yeux verts les rides. Il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps. Il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait tout la vie, semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Des gens heureux qui disaient toutes choses avec les